Alles gut. Alles klar. Ja. Alors, toi, tu n'aimes pas ce petit tac-tac-tac, le bruit du clignotant. Expliquez-moi pourquoi, Mireille Dumas. Expliquez-moi pourquoi vous n'aimez pas c'est un bruit cheap, c'est un bruit de bas de gamme, alors que dans le haut de gamme, tu n'entends pas le clignotant. Ah, et d'accord. Oui, c'est indécis. C'est comme les fameux bruits des portières, tu sais, quand tu. Ah, d'accord. Là, ils ont fait des efforts sur les portières. Mais le bruit du clignotant, c'est un clignotant de Peugeot 106, de C1, de bas de gamme. Voilà, et tu sais que tu ruines. Moi, je suis moins sensible que toi, je le trouve. Il est un petit peu tac. Mais non mais c'est tout, je dis rien du tout, c'est tout. Mais je dis que c'est un peu trop tac tac. Il pourrait être tac tac tac, mais un peu tac tac tac. Un peu moins, tu vois. D'accord. Il fait pas joli. Il devrait faire. Voilà. Ah, il faut que je mette le micro parce que là, voilà. Là. Alors maintenant, chez PSA, parmi les équipements de Siri, il y a la caméra de recul. Tu me le fais en espagnol, je savais pas que tu faisais toutes les langues. Claro que si, c'est con coche que se vale, vale bien. Comment on dit? Una camera de reculos? Comment tu dis? Camera de recul. Ouais, tu sais pas plus que moi. Mais non, pero l'accent est perfecto. Y bonito. Pour éviter d'avoir un accident, tu sais toujours. Et bonito. Oh putain, ça y est, tu vois, je te dis, je me prenais la GTI. Tu vois le coche? Voilà. C'est parti. J'avais fait rire en tout cas. Ouais. Maintenant, c'est standard chez PSA. Tu me diras, mais les caméras, ça ne vaut plus rien d'ailleurs. La preuve, j'en ai aussi. Mais ça, c'est le monde a changé, tu vois. On a des petites caméras partout.